Bon, salut les gars. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'attendais de tourner depuis très très longtemps parce que là, on va attaquer du très très lourd. On est sur trois éditions, trois Ultra HD Club sur une trilogie légendaire pour moi, surtout pour un film. Pour le premier, comme vous pouvez le voir déjà dans le titre, c'est les trois éditions Ultra HD Club de Jurassic Park. Alors. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu trois éditions différentes et elles sont toutes indépendantes l'une de l'autre. Donc c'est pas du tout. On aura une box au centre qui sera une grosse box comme celle qu'on avait eue à l'époque sur The Dark Knight. Et on a deux full slip. Enfin, on a un single lentille et un full slip à côté, mais c'est pas des éditions qu'on retrouve dans la box. Donc c'est vraiment trois éditions complètement différentes qui pouvaient être achetées séparément, c'est vraiment autonome. Chaque édition est vraiment autonome l'une de l'autre. Sauf que j'ai un doute sur le contenu des deux éditions, des éditions A et B. Est-ce que c'est le même contenu ou pas? Donc on verra ça. Donc là, on va partir sur une très très grosse vidéo parce que je vais présenter les trois éditions dans la même vidéo. Alors déjà, première chose, premier point, il y a deux choses qui m'ont fâché à la réception. La numérotation des trois éditions n'est pas la même. Donc, c'est-à-dire que Ultra HD Club ne m'a pas envoyé, par exemple, le numéro 17 pour les trois éditions. Ils m'ont envoyé trois numéros différents. Alors qu'en général, quand on passe commande, quand on réserve sur des groupes buy des éditions, on a toujours, si on commande trois éditions d'un même film, on a les trois numérotations identiques. Ce qui fait l'intérêt de passer par un groupe buy parce que comme ça, on a chacun notre numéro, tout ça. Là, ils ont complètement envoyé au hasard, donc ça m'a un petit peu fait chier, quoi. Même si c'est pas très très grave en soi, parce que chaque édition est vraiment indépendante l'une de l'autre, c'est pas comme un one click où à l'intérieur c'est pas les mêmes numéros, et là par contre ça bloque parce que la box en elle-même avait une numérotation, et si les éditions à l'intérieur sont pas les mêmes, n'ont pas la même numérotation, là par contre là ça fait vraiment un gros problème je trouve. Là on est vraiment sur trois éditions voilà, qui se suffisent à elles-mêmes, donc la numérotation identique n'est pas forcément primordiale, mais pour moi c'était, ça me venait même pas à l'esprit de ne pas avoir la même numérotation pour les trois quoi. Enfin bref, donc voilà, déjà premier souci à la réception, je vois que la numérotation n'est pas la même sur les trois éditions, et surtout deuxième gros souci, ce qu'il faut savoir avec Ultra HD Club, c'est que le carton, là comme on peut le voir sur les deux éditions, là l'édition A et B, en fait le carton fait partie entre guillemets de l'édition quoi, parce qu'en fait Ultra HD Club on voit toujours les éditions dans un carton avec une étiquette comme on peut le voir là et là, avec voilà comme une étiquette qu'on pourrait avoir sur les éditions simples, avec des images du film, la numérotation Ultra HD Club UC18 etc. Donc il y a vraiment pour les collectionneurs vraiment extrêmes où ils gardent tout ce qui a un semblant de collector sur avec une étiquette quoi que ce soit. Mais Ultra HD Club fait partie de cette lignée de marques qui envoie vraiment dans un carton qui est même spécifique à l'édition. Donc là, pas de problème, j'ai les cartons pour l'édition A et B. Et comme vous pouvez vous en douter, au milieu, il n'y a pas de carton. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai reçu les deux éditions dans un autre carton protégé et classique. Rien à signaler. Par contre, la grosse box C, ben en fait, le carton d'envoi, c'était le carton avec l'étiquette scotchée. Et donc en fait, je me retrouve à perdre le carton avec l'étiquette de numérotation parce que c'est, je sais pas, comme franchement, c'est pas acceptable. Quand je sais pas ce qu'ils ont fait. Ultra HD Club m'a envoyé l'édition C avec, mais pas avec, mais sans protection en fait. Juste voilà, c'est comme là ils m'ont envoyé l'édition C comme ça avec du scotch autour. Et donc du coup en fait le carton comme ça avec l'ouverture classique comme ça chez Ultra HD Club c'est toujours le même système. Ben en fait, je l'ai perdu parce qu'il était scotché de part en part. Vraiment, tout le carton entier était scotché. Vraiment, en plus, vraiment, tout était recouvert. Et donc, j'ai pas pu sauver l'étiquette qu'on voit ici sur les deux autres éditions. Et là, par contre, ça passe pas du tout, quoi. Je veux dire, c'est. Mais je trouve que c'est une énorme erreur parce que ça fait partie du packaging Ultra HD Club. Et quand on sait le prix que ça a coûté, là, honnêtement, j'ai pas trop les. Je me souviens plus des prix. Mais de mémoire, tout compris. Hein. Vraiment, les éditions. Parce qu'il y a eu le coût des éditions classiques. Je crois que c'était aux alentours des 220-240 $ pour les éditions A et B, et un petit peu plus, je crois, 260, un truc comme ça pour la box C, ou 280. Il y a eu la première facture du coup de ces trois éditions ensemble. Il y a eu une deuxième facture, en fait, de surplus, parce qu'en fait, soi-disant, mais en fait, le coût des trucs, voilà, la magie de la crise en Ukraine, du Covid, machin et tout ça, soi-disant, les coûts ont augmenté, donc on a reçu une deuxième facture de 20 $ par
édition A et B et 40$ pour l'édition C en plus. Donc 80$ en plus de tout ça. La troisième facture, entre guillemets, de la douane. Donc je crois que c'était 20 euros pour les deux réunis. Et la box C qui a été envoyée séparément, pour laquelle je me suis retapé genre 24€ de frais de port. Donc en gros, je me suis retapé presque 50€ de frais de port de douane en plus de la première facture et de la deuxième facture avec le surcoût. Et donc au total, je crois que de mémoire, ça en est pour les trois éditions, j'en ai pour presque 900€, quoi. Donc ça paraît démesuré, mais ça touche en fait, pour ceux qui ne savent pas, Jurassic Park, pour moi, le premier Jurassic Park, c'est mon film numéro 2. Après Le Seigneur des Anneaux, après la trilogie du Seigneur des Anneaux, pour moi, c'est mon deuxième voilà, dans mon classement ever. Donc voilà, ça fait. En fait, à part Le Seigneur des Anneaux et Jurassic Park, je mets pas autant d'argent dans d'autres films. Mais vraiment, ces deux films-là, je suis prêt à mettre à peu près à n'importe quelle somme à partir du moment où c'est raisonnable, entre guillemets, là. Parce que là, pour 9€, on a quand même trois éditions complètement différentes, avec une box, une plus grosse box au milieu de ça. Mais voilà, c'est les deux seuls. Pas trilogie, parce qu'en fait, c'est pas vraiment la trilogie qui m'intéresse dans Jurassic Park, c'est vraiment le premier. Mais c'est les deux seules œuvres pour lesquelles je regarde pas trop à la dépense quand un premium est annoncé. Donc voilà, mais voilà, il y en a pour presque 900€, c'est énorme, quoi. C'est vraiment énorme. Donc j'espère vraiment que ce qu'on va avoir sous les yeux là après, ça va valoir le coup. Mais après, Ultra HD Club, j'ai pas trop de doutes sur la qualité, sur le contenu. Mais on va voir ça de suite. Donc on va commencer par l'édition A. On enchaînera avec l'édition B. Et on finira avec l'Ultimate Box C. Et je vais essayer quand même d'aller un petit peu vite parce que là, il y a quand même trois grosses pièces à présenter en une seule vidéo. Et j'aimerais bien, mon objectif, essayer de passer en tout des 1h30, aller peut-être voir 1h15 si tout se passe bien. Donc on va enchaîner alors. Hop là, on met ça de côté. On met ça aussi de côté. Et donc, on va attaquer du coup avec l'édition A. Et donc l'édition A de mémoire, c'est le single lentille. Donc on va déballer ça. Donc voilà, comme je le disais, le carton classique d'Ultra HD Club, c'est tout le temps ce format avec cette ouverture comme ça. Et on a du coup l'étiquette de numérotation pour la première édition. Donc là, j'ai le numéro 23 sur 128. Et comme vous le verrez tout à l'heure sur les autres éditions, j'ai pas la même numérotation. Donc on a la petite étiquette Ultra HD Club classique sur leur carton. Et donc on va voir ça. Ok. Alors déjà, première chose, on a la carte de numérotation. Donc on va déballer ça tout de suite. Alors, donc là, pareil, gros plus pour moi pour Ultra HD Club sur les cartes de numérotation, comme je l'avais présenté sur E.T. Tac. Le gros avantage de Ultra HD Club sur les cartes de numérotation, c'est que leurs cartes, elles sont en métal. Et vraiment du métal vraiment solide. Pour la tordre, il faut vraiment y aller très très fort. C'est vraiment hyper quali pour le coup. C'est les seuls à faire des cartes de numérotation vraiment. En métal, quoi. Et ça fait une énorme diff, je trouve. Donc on se retrouve avec la carte de numérotation, avec une scène du deuxième épisode, pour le coup, là. Est-ce qu'on a un travail d'embossage? Ouais, on a un léger travail d'embossage sur le Ultra HD Club et la numérotation. Je sais pas si on va le voir à la lumière, je pense qu'on le voit un petit peu. Sur le logo, sur toute la partie écriture avec la numérotation, mais pas sur le reste. Et donc, on trouve vraiment, on voit le métal brossé. Il y a un léger travail. Alors, je pense que c'est assez fin parce que la carte est fine. En fait, il y a un léger embossage aussi. En fait, on sent sous le doigt qu'il y a quelque chose sur le dinosaure. Je ne sais pas si on va le voir. Je crois qu'on le voyait tout à l'heure à la lumière. Là, on voit le contour du dinosaure. Donc, il y a même un travail assez minutieux sur la carte. Donc, vraiment superbe. Franchement, il n'y a pas à dire. Les cartes de numérotation de Ultra HD Club, c'est vraiment un bonheur, quoi. Vraiment, on a la sensation de tenir quelque chose qui est quali, quoi. On a du métal en main, c'est vraiment un énorme plus. Et sur le verso classique, le logo Jurassic Park. Regardez-moi, c'est rien que ce métal brossé comme ça là, c'est ça claque, quoi. Vraiment, on a ce léger embossage encore sur le logo et tout. Donc c'est vraiment cool. Donc ça, c'est la première carte de numérotation, la carte de l'édition A. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a le petit flyer sur les infos du film. Ça, on s'en fout. On a quoi? Donc ça, j'imagine que c'est un lentille. Ouais, c'est ça. C'est un lentille. On va enlever ça. Donc le visuel, je le connais déjà. C'est le visuel du verso du Steelbook Zavi. Donc on se retrouve avec. Ah ouais. Ultra HD Club, ils sont quand même très très forts sur les lentilles. Hein. J'en ai eu quelques-uns en main et à chaque fois, c'est impressionnant. Et on se retrouve avec le visuel qu'on avait au verso du Steelbook du Zavi du premier Jurassic Park que j'avais présenté dans une vidéo achat
avec le recto qui reprend le visuel du logo et tout ça, et on a au verso cette image que je trouvais, que j'aimais pas trop parce qu'il y avait un côté dessiné du dinosaure un petit peu 3D, et en fait là on perd ce côté dinosaure 3D un petit peu dégueulasse que j'avais sur le steelbook. Là il est vraiment l'effet est vraiment très très classe, hein. Franchement on a un joli changement de scène, et en plus on a un énorme effet de profondeur. Là on a vraiment on a toute la partie du rétro en premier plan. On a la sensation qu'on peut plonger dans le rétro, en fait. Et on voit la tête j'ai la sensation que je pourrais attraper la tête du T-Rex. Donc on a, ouais, c'est un superbe, superbe lenti. Franchement, puis on le voit, là, c'est sharp, c'est net, y a pas, c'est pas pixelisé ou quoi, c'est sublime. C'est vraiment, franchement, c'est sublime, là. La qualité est vraiment excellente. Ultra HD Club sont assez forts sur les lentilles, en tout cas ceux que j'ai eu en main. Mais vraiment, ouais, pour le coup, là, déjà, ça, c'est le petit lentille cadeau qu'on a l'habitude, dont on a l'habitude avec Ultra HD Club. Il met toujours un lentille dans les éditions. Ouais, on a vraiment un très beau changement de scène. Franchement, hyper, hyper cool. Et donc, on va attraper l'édition. Ah. Tac. Donc, il y a des choses à dire, parce qu'en plus, il y a eu des petits changements durant la production. On va voir ça pendant le déballage. Donc, ok, donc on va déballer ça. Donc on retrouve, je le présente ici avant d'enlever le cellophane, on retrouve la numérotation ici, avec pas la même image qu'on a sur la boîte. Là c'est toujours une scène du 2, mais c'est pas la même scène. Le petit logo 4K classique, et on n'a rien d'autre sur le cellophane. Donc on va déballer ça. Déjà, il est large, c'est pas du tout. C'est là où on voit que c'est une édition vraiment à part entière. C'est pas juste un full slip, c'est vraiment une énorme box comme on peut avoir l'habitude chez Ultra HD Club. Donc c'est vraiment hyper quali, quoi. En même temps, pour le prix, c'est le prix d'un one click, hein, au final. Donc pour le coup, on va éviter de déchirer l'étiquette de numérotation. Je vais faire ça proprement. Tac, on va enlever comme ça, voilà. Comme ça, je vais pas attaquer l'étiquette en bas. Ça, je le mets de côté, je récupère l'étiquette. Tac. Et donc, on se retrouve avec un single lentille. Et ouais, donc là, on le voit directement. Franchement, superbe. L'effet est vraiment... Voilà, j'ai pas besoin de parler. L'effet est vraiment... On passe vraiment de la porte classique au logo avec les flammes. Vraiment. Hein. Puis la qualité, franchement, du texte et tout, là, on le voit, hein. C'est hyper sharp, il n'y a pas un pet de pixelisation, c'est impressionnant. Ah, c'est trop bizarre de le regarder en main. On n'arrive pas du tout à situer la porte, en fait. C'est très bizarre. J'ai vraiment du mal à situer la porte quand je mets la main dessus, quoi. Là, je mets la main dessus, mon cerveau est bug, hein. Ça se voit pas trop en vidéo, encore une fois. On voit juste, je pense, sur la vidéo, le logo qui est vraiment en premier plan par rapport à la porte. Je pense que ça se voit un petit peu quand même. Là, on voit quand je joue comme ça, on voit que ça bouge. Mais sinon, putain, c'est impressionnant. Là, il y a vraiment... en fait, si vous voulez, il y a le logo qui est vraiment en tout premier plan. Et en plus, il est en premier plan, mais en fait, il y a plusieurs plans dans le logo. Alors, je ne sais pas si ça va se voir. En fait, on a tout le titre qui est vraiment en premier plan, genre comme s'il flottait sur... c'est compliqué parce qu'on a, j'ai pas le même rendu, moi, en main. Et ce que vous voyez à chaque fois avec les lentilles, c'est tout le temps comme ça. J'ai du mal à avoir la même image que vous. Donc, je vais me fier au retour. Donc on a vraiment, en fait, on a le titre qui flotte un petit peu sur la plaque. Je sais pas si on le voit là, on voit le jeu d'ombre et tout. Donc on a vraiment le titre en tout premier plan. Après on a la plaque avec le T-Rex. Et après encore en profondeur, on a le rond rouge. Et donc tout ça, déjà, il y a déjà un triple plan rien que sur le logo. Et le logo, le bloc, est vraiment en premier plan sur toute l'édition. Donc c'est vraiment, il y a beaucoup de travail de plan sur tout le visuel. Donc on a vraiment un très très beau travail sur ce titre qui flotte un petit peu au-dessus de la plaque. Franchement, mais superbe. Il est magnifique, hein. Et donc après, du coup, on a la porte en arrière-plan et les flammes qui entourent la porte. Et on a vraiment, pareil, ce gros travail de j'ai l'impression de pouvoir attraper les flammes, en fait, qui sont vraiment plus en avant de la porte. Donc, ce qui fait que dans la globalité, le rendu est vraiment superbe. C'est léger parce que la porte, c'est un seul bloc. Donc, il n'y a pas énormément de trucs qui jouent sur la projection ou la profondeur. Mais il y a vraiment un très gros travail de... Même le T-Rex, en fait, il est en... On sent là, en profondeur... je sais pas si on le voit là. Il y a une ombre et tout. On a vraiment... Moi, en main, j'ai vraiment l'impression que le dinosaure est beaucoup plus près que le fond rouge. Ce qui fait que... Enfin, c'est hyper impressionnant, quoi. Franchement, là,
Il est magnifique ce lancer-là, ce gros travail sur toute cette partie-là avec des jeux de profondeur et tout, c'est superbe, franchement. Et puis l'image est hyper sharp. Oui, là on le voit, je pense que c'est vraiment pas pixelisé. Hein. C'est superbe, franchement. Franchement, il est magnifique. Rien que ce recto est magnifique. Hein. Mais vraiment, on va voir ce qu'il y a derrière, je me souviens plus. Mais du coup, en fait, à la base, l'édition était annoncée comme un double lenticulaire, donc avec un lentille là et de l'autre côté. Mais en fait, ça a changé entre-temps. On est passé sur un single lentille, mais avec un petit bonus derrière qu'on va voir juste après. Donc, sur le dessus, on va voir sur le reste, la classique embossage spot gloss. Ça, c'est la classique, comme toujours. Sur le dessous, donc pas de numérotation. Ultra HD Club, il numérote pas sous les éditions comme on peut voir ailleurs. Embossage, spot gloss, classique, mais très très classe. Franchement, très très propre. Hein. Donc, on a vraiment cette édition est vraiment axée sur le côté porte en bois sur toutes les faces, sur la tranche. Bon, classique, pareil, embossage, spot gloss. Mais pas sur le logo 4K, juste sur le titre. Ah non, c'est vraiment que sur le titre. C'est marrant. D'habitude, on a toujours un petit peu de travail aussi sur les logos et tout ça. Là, c'est que sur le titre. Avec cet embossage, ce peu gloss. Et donc, le verso qui était à la base en lenticulaire finit en full slip classique. Mais en fait, du coup, on retrouve l'arrière de la porte. Comme vous l'avez compris, le devant de la porte et l'arrière. Donc, on a un semblant de continuité. Attendez, non. Ah, je dis une bêtise. Ah, je sais pas en fait. Je sais pas si c'est censé être une continuité. J'ai l'impression. Ah, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Honnêtement, là, je sais pas. Je pourrais pas dire si le projet c'était de faire une continuité ou pas. Et donc, on se retrouve avec l'arrière de la porte qui devait elle aussi être en lentille. Mais ça a changé en cours de route et en fait, c'est devenu une finition full slip classique. Sauf que, comme on peut le voir juste là, voilà, sur les flammes. On a un embossage, oula, allez, ça bégaye, ça commence à bégayer alors qu'on est au début de la vidéo. Un embossage et un spot gloss. Et une petite surprise aussi qui est une finition glow in dark en fait. Donc sur les quatre flammes, il y a une finition de glow in dark. Donc j'essaierai de montrer, je vais voir si je peux mettre, si je réussis à filmer le glow in dark, je vous mettrai un petit extrait. Mais ouais, donc ça c'est vraiment là. Donc on a perdu le lenticulaire pour. La finition glow in dark sur les quatre torches. Donc voilà, pour l'instant, moi je l'ai pas encore essayé, mais à mon avis, je pense que ça peut être pas mal sur les torches parce que voilà, la cohérence des flammes et de la lumière et tout ça peut être intéressant. Donc on est sur une édition avec un visuel assez basique entre guillemets, donc vraiment ce délire de la porte en bois et rien de plus en fait, hein, à part le logo sur le lentille. Mais pour le coup, le lentille est magnifique. Donc là, pour le coup, ça vient combler tout ce reste qui est un petit peu. Mais un petit peu léger en termes de visuel parce que c'est juste une porte en bois quoi. Donc on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je vais tout enlever, je vais mettre ça de côté. Et donc chez Ultra HD Club, quand c'est des formats comme ça, c'est des boîtes vraiment. Là je pense qu'on le voit là à l'épaisseur, c'est vraiment du bois. Enfin c'est voilà, c'est pas de la merde quoi. C'est pas du full slip classique de l'épaisseur d'une feuille ou quoi que ce soit. Là c'est vraiment un truc en dur. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de continuité à l'intérieur. Donc c'est vraiment une Franchement, c'est dommage. Ils pourraient au moins mettre un fond noir, quoi, histoire qu'on que ça fasse pas trop contraste comme ça. Là, c'est vraiment blanc. Enfin bref, ça c'est dommage. Ils auraient pu continuer, surtout que c'est, je sais pas si on va le voir là. Voilà, c'est juste, ben, ça coûtait rien de continuer cet effet bois en fait à l'intérieur. C'est un petit peu dommage, franchement. Ça c'est un petit peu le point qui fâche. Mais l'avantage, ouais, c'est que c'est vraiment, voilà, c'est du dur. Hein. Là, il n'y a pas à dire. C'est vraiment épais, c'est solide. Ça bougera pas dans le temps. Donc, alors, on va voir le contenu maintenant. Tac. Je vais poser ça là, comme ça. Comme c'est présenté dans la box. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on va faire de gauche à droite. Alors. Ok, donc là, on a un folder. Je ne sais pas trop ce qu'il y a à l'intérieur encore. Donc, déjà, première chose, là, c'est des images du premier film pour le coup. On retrouve Alan Grant et tout avec. L'enfant, on retrouve la scène dans la cuisine ici, on retrouve le T-Rex du 1. Là, la scène où ils courent, ils essayent d'échapper aux herbivores là, qui courent avant de se faire attaquer par le T-Rex. Donc là, on est vraiment axé sur le premier film, en tout cas sur les visuels. On a un embossage spot gloss, pareil sur le titre, classique, assez léger, assez élégant. Sur la tranche, on a quoi? Est-ce qu'on a une finition? Ouais, toujours la classique, embossage spot gloss sur le titre.
sur le verso. Alors on retrouve du coup des images du deuxième film. Pour l'instant, on n'a pas vu d'images du troisième. Hein. Après, forcément, là, les deux premiers sont réalisés par Spielberg et le troisième non. Donc, est-ce qu'ils vont plus axer les visuels sur les deux premiers et un petit peu moins sur le 3? Surtout que le 3 est unanimement reconnu comme le plus mauvais des trois. Du coup, là, on retrouve des images du deuxième film. Pas de finition particulière ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment basique. On a juste l'embossage et le spot gloss sur le titre, sur le recto. Donc on a du coup à l'intérieur, qu'est-ce que c'est? Ok, donc là c'est là où il y a le film. Ah, là on retrouve des images du 3. Donc on retrouve le fameux dinosaure qui terrasse le T-Rex. Et ici on a le film du premier. Donc là j'imagine que ça va être le folder avec les trois films. Donc on va faire par étapes, on va ouvrir pour voir ce qu'il y a dessous. Tac. Donc là on retrouve, voilà. Donc je pense qu'à mon avis, sous chaque disque, il y aura des visuels du film qui est glissé à l'intérieur. Donc on a des visuels du premier film. Donc vraiment, là pour le coup, les images sont très nettes. Il n'y a pas de souci sur ça. C'est très quali, l'impression est très très bonne. Donc on a un petit patchwork, un petit montage, un petit patchwork d'images du film. Et pareil, l'avantage, autre avantage de Ultra HD Club, c'est qu'ils ont l'intelligence de mettre. Vous savez, vous avez des digibooks ou des trucs comme ça où en fait le plastique et à même poser sur le carton, et du coup c'est très très moche. Là, ils habillent le tout en fait, ils le font en relief pour que quand on met le disque, en fait c'est beaucoup plus élégant. Voilà, là il y a vraiment il y a quelque chose autour, c'est pas juste posé à plat avec le disque qui flotte un peu dans le vide. Là, il y a vraiment un travail de voilà, comme on peut le voir ici, de vraiment essayer de masquer un petit peu cet effet Digipack, un petit peu bas de gamme avec ce plastique. Mais même le plastique là, pour le coup, il est solide, ça bouge pas du tout. Comme ce qu'on peut avoir sur certains Digibook ou Digipack. Alors je vais remettre le disque. Donc le 4K du premier. Alors j'imagine qu'on va attaquer le 2 et le 3. Voilà, c'est ça. Donc on retrouve voilà, les trois films réunis. Et donc avec, pareil, un petit patchwork d'images tirées du film. Un petit montage avec quelques scènes du film. Pareil, qualité d'impression bonne. Il n'y a pas de souci sur ça. Sur le troisième. Même chose, on retrouve ce petit montage de photos et donc ce que ça donne, les trois réunis sur là dans la vidéo. Tac, voilà, ça donne ça. Donc pour le coup, franchement, c'est sympa. Hein. Ça, voilà, ça a une gueule. Franchement, c'est pas vilain. Le seul truc qui me dérange un petit peu encore, c'est ce manque de finition sur le blanc apparent du carton ou quoi. Donc pareil sur l'intérieur de la box. Donc ça, c'est dommage. Ils auraient peut-être dû mettre, je sais pas, du marron ou du noir ou quelque chose d'un petit peu plus discret, mais on se retrouve quand même avec un très joli digipack. Donc on va remettre les disques, on va retourner voir comment ça rend le verso entre guillemets du digipack à plat. Il n'y aura pas de continuité quoi, parce que. Ah, donc on retrouve quand même, voilà, on a voilà, le même concept qu'à l'intérieur, donc une face par film avec trois couleurs bien bien distinctes. Et là avec là c'est plus joli, là c'est en noir, donc c'est déjà quand même un petit peu plus acceptable que ce côté blanc là qui fait un petit peu voilà carton brut, donc c'est un petit peu dommage. Donc ça c'était le Digipack, donc c'est presque le moins intéressant dans les éditions de Ultra HD Club. Ici on va se retrouver avec le livret, donc là rien de particulier, pas de finition particulière à part du papier glacé, mais le visuel assez basique. Production note, donc là est-ce que ça va être des petites coulisses, hein, des petits making-of sur le film? On va voir ça tout de suite. Ok. D'accord, donc en fait le texte est vraiment marqué. C'est marrant ça. Le texte n'est pas marqué sur un fond blanc quoi comme on a l'habitude de voir dans des livrets. Là, c'est vraiment intégré c'est presque intégré dans le visuel en fait du livret. Ça se fond parfaitement au livret. Donc ouais, on a plein de petites coulisses, des petites infos, des photos, etc. Et la qualité est très très bonne. Hein. Pour le coup, là, il n'y a pas rien. C'est la très très bonne qualité de papier. Là, c'est glacé, c'est épais, on le sent sous le doigt. On a une très très bonne, même sur les photos, tout ça, c'est net, c'est sharp. Il n'y a pas de souci sur ça. Là, on le voit, là c'est quand même. Si le téléphone veut bien faire le focus comme il faut. Allez. Voilà. Sachant que l'image est quand même assez petite. Mais elle est vraiment nette comme il faut. Donc là, on a un petit passage sur le cast avec les acteurs. Pareil, la petite fiche Wikipédia comme on a l'habitude. Sur les acteurs du film. Voilà, classique. Donc là, c'est un petit passage sur Spielberg. Donc vraiment, la qualité d'impression des photos est vraiment excellente. Hein.
Là, on sent que voilà, là il y a de la qualité quoi. Là, c'est du Ultra HD Club, le pur jus quoi. C'est vraiment quali sur tous les détails. Ça fait vraiment plaisir en main. On sent que c'est fait avec soin. Donc, pareil, voilà, les petites coulisses sur le film, sur la trilogie même. J'ai vu des photos du 2. On voit pas beaucoup de visuels du 3. Hein. Il se garde de mettre des photos du 3, j'ai l'impression, ou des infos. Là, c'est vraiment plus axé sur le 1 et le 2, vraiment sur ceux de Spielberg. Bon, à mon avis, c'est beaucoup plus facile à documenter que le 3. Donc ça, c'était le livret. Donc le Digipack, le livret, on a vu. Et donc, on se retrouve avec cette box. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Je m'en souviens pas du tout. Donc là, c'est déjà, ça attaque un petit peu plus les yeux parce que c'est complètement doré. Donc c'est assez, ça dénote un petit peu avec le reste, avec ce côté sombre bois et là le truc un petit peu plus basique, sombre et tout ça. Là, on a vraiment une box en couleur or. Donc pas de travail particulier, classique. Là, il n'y a pas de finition à signaler, juste classique. Quoi, il n'y a pas de sur rien du tout en fait. Hein. Que ce soit la tranche ou quoi que ce soit, là, il n'y a rien. Donc à mon avis, c'est seul intérêt, c'est que voilà, c'est magnifique. Donc ça, je sais qu'il y en a certains qui aiment bien, ou un certain youtubeur star bientôt en devenir. Donc le côté magnétique, toujours assez con, mais rien que d'avoir un, voilà ça, ce truc magnétique, bah, en fait c'est tout de suite tu passes un step dans la qualité quoi. T'as la sensation d'un truc vraiment voilà bien soigné, bien comme il faut. Et donc on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je me souviens pas du tout de ce qu'il y a à l'intérieur là. Pour le coup, ça va être la surprise. Alors, qu'est-ce que c'est? Ok, donc là pour l'instant le visuel, on retrouve pareil le concept de feuillage, tout ça. On a, qu'est-ce que c'est? Oula, ça a l'air, oula, ça a l'air, oula, c'est bien rempli là, dis donc. Ouh, j'avais oublié qu'il y a la petite pièce, et oui, alors je vais mettre ça de côté pour l'instant. Donc on a un énorme, alors là pourquoi on a un énorme folder hein, qui reprend un peu un visuel de caisse en bois. Donc pas de finition particulière, c'est vraiment assez fin, c'est un folder classique. Mais on a plein, plein, alors on a vraiment plein de choses dedans. Ouh, on est gâté là, on est gâté. Alors, voyons voir ça. Ah ouais, d'accord, ok, j'ai compris ce qui remplit le tout. C'est qu'on a un. Alors ça va être compliqué de montrer les posters en vidéo parce que l'angle est assez resserré sur le téléphone. Mais on a. Oh oui, en plus, putain, ils ont fait un poster avec la meilleure scène la meilleure scène du film, l'une des meilleures scènes de tous les temps. Mon plan préféré de tous les temps. On a un poster du coup en horizontal. Ça c'est compliqué de le rentrer, je suis désolé. Je vais essayer de pousser un petit peu tout. On fait ça en direct, c'est pas grave. C'est la philosophie de ma chaîne. Je fais tout en direct. Et donc on a un poster sur la scène légendaire, quoi, je veux dire. Pour moi, c'est la plus grande scène du cinéma, c'est sûrement une des scènes les plus importantes de l'histoire du cinéma. Vraiment incroyable. Cette scène du T-Rex, l'apparition du T-Rex, oh là, incroyable. Mais le problème, voilà, le poster est cool, la qualité est pas exceptionnelle, mais je pense parce que le film, en soi, le master 4K du film n'est pas à la hauteur du film, n'est pas à la hauteur de la légende qui est Jurassic Park. Donc la qualité, c'est un petit peu flou, là, je pense qu'on le voit là, sur le dinosaure, sur les dents et tout ça, c'est pas. On a comme une sensation de voile un petit peu qui masque. Il n'y a pas de netteté, quoi. C'est comme si le focus n'avait pas été fait sur l'image, même sur la voiture et tout. Mais surtout, le problème des posters, c'est qu'en fait, c'est les pliures, quoi. Là, on le voit déjà là. Voilà, on voit ici déjà que ben, voilà, les pliures font que ça endommage toutes les traces de pliures. Et du coup, ça rend un petit peu. Derrière, c'est blanc. Mais ça rend du coup l'intérêt d'un poster quasi nul pour moi. En tout cas, à mes yeux, c'est pas. Pour moi, c'est pas un goodies que j'aime parce que forcément il est plié. À part dans les ultra, dans les Everything Blue faisait ça à l'époque sur le Gladiator que j'ai. En fait, ils envoient des posters, mais ils l'envoient dans un tube. Et donc en fait, le poster n'est pas plié. Et du coup, on peut ouvrir le poster et il n'y a pas de pliure. Donc là, pour le coup, c'est intelligent en fait. C'est vraiment bien pensé chez Everything Blue. Et c'est les seuls, je crois, de mémoire qui font comme ça, à envoyer les posters dans des tubes. Et c'est dommage que personne n'ait repris cette idée, parce qu'en fait, du coup, le poster peut être affiché dans un cadre ou quoi que ce soit, dans une pièce cinéma, etc. Alors qu'un poster avec des plieurs comme ça, pour moi, ça passe pas. Je suis désolé. Autant je m'achète des posters ou des affiches directement sur le net et qui sont envoyés dans des rouleaux, quoi. Et donc, du coup, on a le poster du 2. Donc, pareil, ça reprend encore une scène du T-Rex quand il est dans la ville.
Donc là, pareil, la même qualité d'image. C'est un peu flou, là. On le voit sur, pareil, sur le T-Rex. C'est un petit peu dommage. Et par contre, le papier est vraiment quali, hein. C'est un papier assez épais. C'est pas un truc qui se plie assez facilement. Même sous le doigt, il y a un, je sais pas, il y a comme un revêtement. Enfin, on sent que c'est pas juste du papier basique, quoi. C'est déjà plus quali. Mais bon, il y a toujours ces rainures, donc c'est un petit peu dommage. Et donc, le poster du 3. Hop là. Et donc, ouais, à chaque fois, on retrouve le T-Rex sur les troncs. Hein. Donc là, on a un format un petit peu plus carré, j'ai l'impression, avec l'affrontement entre le dinosaure du 3 et le T-Rex. Et là, par contre, la qualité est meilleure. Déjà, ça se voit, je pense que ça se voit là sur les dents et tout ça, sur tous les détails. C'est déjà un petit peu plus net, c'est plus propre. Et on reconnaît en plus, on voit bien là que c'est les animatroniques. Donc c'est vraiment cette sensation de réel. Donc déjà, sur le rendu sur le troisième est déjà mieux, je trouve. En tout cas, sur le piqué de l'image du poster. Mais bon, voilà, les trois posters, ils sont là. Ça remplit quand même pas mal, parce que c'est assez épais, les trois réunis. Mais voilà, moi, l'intérêt d'un poster, c'est. Si c'est pas envoyé dans un rouleau, pour moi, bah, ça passe pas, quoi. Je suis désolé, je pourrais jamais m'en servir. Alors que si c'est envoyé dans un rouleau, c'est parfait. Tu peux te faire des petits cadres, des trucs un petit peu custom dans une salle cinéma ou quoi que ce soit, ou même chez toi. Mais bon, ça, c'est dommage. Alors là, par contre, on a la blinde de cartes postales. Oh la vache! Putain, il y en a un paquet! Putain, ça fait longtemps que j'en ai pas vu autant dans un premium. Et en plus, la qualité est très très bonne. Déjà, quand je l'attrape, c'est hyper quali. On est vraiment sur du carton assez épais. Donc on n'est pas sur des feuilles un petit peu comme le Mental Matrix que j'ai déballé juste avant. Là, on est vraiment sur un truc beaucoup plus quali. Et donc, on va voir ça. Donc on retrouve le T-Rex, forcément l'animatronique. Incroyable. Et là, pour le coup, la qualité d'impression est 10 fois meilleure que sur le poster. On le voit. On voit clairement qu'on reconnaît l'animatronique, ce côté vraiment réel, palpable du dinosaure. Magnifique, incroyable. Incroyable. Ce T-Rex là en animatronique de je crois, de 5 mètres, un truc comme ça, mais incroyable. Superbe. Il vieillira jamais ce film juste pour ça. Juste pour l'intelligence d'avoir mélangé les animatroniques avec je crois, les 6 ou 8 minutes d'effets spéciaux de dinosaures en CGI. Donc la première carte sur le verso. Classique, là c'est vraiment format carte postale premier degré quoi. Avec le petit logo du studio de Spielberg, le logo de la trilogie Jurassic Park. Et donc on va voir les photos. Donc on retrouve, en plus c'est des visuels, je crois que ça reprend, je crois que j'avais ce visuel sur certaines cartes postales sur le full slip Filmarien que j'avais présenté sur ma chaîne du Jurassic Park. Donc on retrouve pareil, là pour l'instant c'est des scènes du 1. Est-ce qu'on va voir un petit peu un mélange des trois films? Donc là, par exemple, on enchaîne toujours sur le 1. Vraiment, une très, très... Mais là, pour le coup, on a vraiment une très très belle qualité d'impression. L'image est vraiment très nette. Là, il n'y a pas de problème de flou, pas de problème d'image un peu brouillonne, pardon. Donc là, c'est vraiment agréable. Ah, en plus, on a des cartes postales en format portrait. Mais regardez, enfin, mais quelle classe, quoi. Dire que ça, c'était vrai. Là, tout ça, c'est vrai. Sur le studio, c'était comme ça. C'est incroyable. Ça devait être incroyable sur le studio à l'époque. Mais vraiment, la qualité est. Elle est, mais superbe la qualité. Franchement, je suis agréablement surpris là de la qualité. Donc pour l'instant, on reste sur le premier film. Regardez-moi ça, quoi. Incroyable. Pour la petite information, le petit fun fact, j'ai vu cette tête de dinosaure en vrai. Elle est au musée des miniatures, je crois. Je crois qu'il s'appelait comme ça à Lyon. Qui a un énorme musée de plein de miniatures, de merde, comme on dit déjà, de props, voilà, de vraiment de trucs qui sont utilisés sur les tournages, les maquettes et tout ça. Et ils ont une tête de ce dinosaure en réel, sous vitre, mais incroyable. La tête est immense. Elle est vraiment proportionnelle comme ça, c'est impressionnant à voir en vrai. J'étais très heureux de la voir en vrai. Mais vraiment, la qualité, mais super. Franchement, là, c'est impressionnant. La qualité est vraiment, mais sublime. Je sais pas, c'est incroyable. La qualité est vraiment incroyable. Tac, on enchaîne avec le légendaire Jeff Goldblum. Toujours pour l'instant sur le premier film. Avec la première scène du premier dinosaure qu'on voit à l'écran. Vraiment très très classe. Là par contre, le rendu est un peu bizarre. Ce bleu là, j'ai pas de souvenir dans le film que ce soit aussi bleu là. D'habitude, je crois que dans le film, c'est quand même. La scène se déroule de nuit, donc c'est pas bleu comme ça. Donc c'est un peu bizarre. Le rendu est un peu bizarre, même sur le dinosaure et tout, là, il y a un flou un peu bizarre. Putain, on a que du premier film, hein. La scène de l'avocat.
Ah, ok, on passe au 3. Donc le dinosaure du 3. Mais regardez-moi la qualité de la photo. Franchement, superbe. Il n'y a pas à dire. Le rendu est parfait. Les vélociraptors, mais quelle classe. Ils sont terrifiants les raptors dans les films. On retrouve une petite carte en portrait. On retourne sur le premier film. Donc la fameuse scène où ils essayent d'échapper aux Galliminus en pensant que qu'ils sont dangereux alors que c'est des herbivores. Mais vraiment, superbe. Les couleurs et tout, vraiment, il n'y a rien à redire sur les cartes postales. Et la scène de la naissance du raptor. Donc au final, on n'a que du premier film, je crois. Sauf une, avec le dinosaure du 3, c'est assez particulier. On va les compter, on va voir. Donc il y en a 2, 3, 4. Je crois que ça, c'est dans le 2 par contre. 5. 6, 7, 8. Elles sont vraiment qualies parce qu'elles sont épaisses à attraper, quoi. C'est 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Putain, 14 cartes postales. Franchement, pour le coup, ça me faisait un petit peu peur parce que le prix de chaque édition était vraiment élevé. Mais là, on a vraiment du contenu à balle. Hein. Vraiment, là, il n'y a pas. Pour l'instant, il n'y a pas de mauvaise surprise. On n'est que agréablement surpris. Donc on retrouve l'emplacement pour la carte. Et donc on retrouve la petite touche, la petite spéciale de Ultra HD Club. La pièce en métal, forgée directement dans le métal. Et elle est magnifique. Regardez-moi ce travail. Là, c'est même plus de l'embossage du débossage. Là, c'est vraiment de. Là, on est sur un autre niveau là. Elle est magnifique. Hein. Elle est moins grande que celle de E.T. Celle de E.T. était vraiment. C'était un truc comme ça, quoi. C'était vraiment. Genre un galet quoi, je pouvais ricocher sur l'eau avec. Hein. Elle était vraiment beaucoup plus grosse. Là, on est vraiment sur une taille, un petit peu taille pièce d'époque, vous savez, les pièces en or et tout ça, d'époque du Moyen Âge. Mais le travail dessus est incroyable. Oh. Superbe, franchement magnifique. Juste le titre, pour l'instant, est-ce qu'on va avoir des infos supplémentaires derrière? Peut-être le nom de Steven Spielberg ou quoi. On va voir ça, mais vraiment le travail dessus là, magnifique. Franchement, superbe. Et donc au verso, on retrouve deux Raptors Universal. Il y a le petit MP quand même hein, du forum de Media Psycho. Mais vraiment, ce travail-là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Oh, incroyable. Elle est magnifique, la pièce. Et j'aime bien le fait qu'elle fasse un peu le format pièce d'époque en or. Elle est moins grosse que l'énorme truc de E.T. Donc ça change un petit peu. Ce serait bien qu'ils aient aussi une pièce format E.T. plus grosse dans une des autres éditions. Donc vraiment, mais en tout cas, magnifique. Hein. Franchement, Ultra HD Club, ces pièces-là, dans les Ultra HD Club, c'est un petit bonheur de les avoir en main. Parce que c'est magnifique, quoi. Le travail, là, sur la gravure et tout, toute la texture, là, sur la peau des raptors et tout. Vraiment, rien n'est laissé au hasard. Hein. Tout est travaillé. Superbe. Franchement, superbe. Magnifique. On va en profiter pour y mettre la carte de numérotation. Hop là, dans le petit écrin tout blanc. Tac. Et voilà comment ça rend. Superbe. Franchement, la pièce, elle est magnifique. On va essayer de remettre tout ça. Donc les cartes, je vais d'abord mettre les posters. On va pouvoir passer à l'édition B. Donc le full slip. Tac, je crois que j'ai un oubli. Est-ce qu'on peut mettre le lentille? Ça m'arrangerait. Non, il est beaucoup plus grand. Donc c'est pas grave. On va remettre ça. Donc. Ah mais non, je suis con. Putain. Eh oui, je suis con. Et il y a un folder pour mettre tout ça. J'avais zappé. Il est juste là. Et donc on va remettre tout ça dans le folder. Tac. C'est cool. C'est con, mais rien que d'avoir un folder, ils auraient pu tout mettre directement dans la box, quoi. Mais non, ils ont vraiment mis un. Le petit folder qui va avec, qui rend bien. Comme ça, quand on ouvre, on a un joli visuel sur la finition en bois, comme ça. Et donc, on va remettre tout ça dans l'édition. Hop là, on fait doucement. Tac. Et voilà comment ça rend. Le profil. Donc, du coup, le doré fait un petit peu bizarre. Mais bon, ça, c'est pas très très grave. Mais ouais, très très belle édition pour l'instant. Là, l'édition A. Et validé à 100%. Je vais garder les trois éditions, c'est pour ça que je présente les trois.
Voilà, moi Jurassic Park, c'est ma vie, donc je prends tout ce qui passe en premium sur Jurassic Park. Et là, je vais garder les trois. Mais vraiment, le Lanty là, enfin, une dinguerie. Donc voilà, ouais, donc ça c'était l'édition A, le single Lanty avec effet glow in dark au verso sur les lumières. Et on va pouvoir passer du coup à l'édition B quoi maintenant. Tac, donc je vais remettre ça dans sa boîte pour l'instant. Ça sera plus pratique à mettre de côté. On remet le Lanty. Tac, on met ça de côté et on attaque du coup l'édition B, le full slip. Donc là, on retrouve un visuel du 3. Donc vous voyez, là c'est numérotation 76 sur 128. Donc on est vraiment, et j'en ai pas parlé du tirage, mais on est sur un tirage extrêmement bas. Donc ça, c'est vraiment l'apanage de Ultra HD Club. C'est souvent des tirages très très bas, donc ce qui fait que c'est assez collector. Donc là, on est sur 128 exemplaires sur l'édition A et B. Et 268 sur l'édition C, si je me souviens bien. On verra ça après. Mais donc là j'ai le numéro 76. Là où sur le A, j'ai le numéro 23. Donc ça, c'est vraiment le truc qui me fait un peu chier. Mais bon, c'est pas. On va passer au-dessus, c'est pas très très grave. Et donc là, même chose, on retrouve la carte de numérotation qui reprend pas le même visuel. Donc on est vraiment. Ouais, c'est-à-dire que le contenu sera différent. Ça passe pas un petit peu doublon avec l'édition A. Donc la carte de numérotation. Et donc en fait, voilà, donc là vous voyez, là c'est l'édition 19 de Ultra HD Club. Sachant que l'édition A que j'ai mis sur le côté, là c'est l'édition 18. Donc c'est vraiment, voilà, c'est in release par box, par édition quoi. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment une release différente à chaque fois quoi. C'est pas trois éditions qui font partie d'une seule release avec la même numérotation chez Ultra HD Club quoi. Donc là on retrouve bah, pareil, ce léger travail d'embossage. Sur les écritures en bas et sur le dinosaure. Je sais pas, là, je pense que là, on le voit vite fait quand même sur le contour du dinosaure, sur les jambes de Alan. Donc voilà, on a toujours ce même travail sur la carte. Le verso, c'est le même. Toujours en métal, hyper solide. Ça bouge pas. Donc là, on a le Lanty, on a toujours le petit flyer des informations. Le Lanty. Ah, putain. Ouh, il a l'air beau celui-là. On se retrouve avec un Lanty différent. Et donc là, ça reprend, je crois d'ailleurs que c'est le visuel du full slip, hein, si je me trompe pas. Donc là, on a un joli Lanty. Donc là, on est plus basé sur un Lanty de jeu de plan et de profondeur que sur un changement de scène. À part là, je pense qu'on le voit. Hein. Là, juste le changement de couleur sur le cercle là derrière, qui passe du rouge, jaune et métallisé comme ça, gris. Mais sinon, après, il n'y a pas d'autres changements de scène. On est plus axé ouais, sur un jeu de plan, donc avec toute l'herbe en premier plan, là, sur tout le contour. Tout ça, c'est au premier plan. Après, on rentre dans la forêt, entre guillemets, et on passe au logo. Et après, derrière, on a en troisième plan toute la partie autour, là, en jaune, là, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais vraiment, ouais, on a un bel effet de profondeur en mode on rentre dans la forêt. Le logo est vraiment dans la forêt. Et toujours à ce délire de j'ai vraiment l'impression de pouvoir mettre ma main dans la profondeur du truc quoi. C'est ouais, c'est un très très beau Lanty. En tout cas en termes de plan, c'est un beau Lanty. Après, il n'y a pas de changement de scène particulier. On est toujours aussi sharp, voilà, on le voit. Hein. Je pense qu'on arrive en plus à deviner l'effet de profondeur. Là, sur les feuilles et tout, là, on voit vraiment qu'il y a un semblant de profondeur, même sur la vidéo. Alors en vrai, c'est beaucoup plus impressionnant. Mais vraiment partout, hein, sur tout ça là, on a vraiment une sensation de profondeur où on peut aller derrière. Donc voilà, encore un très très bon Lanty. On va attraper l'édition. Hop là. C'est chiant là, c'est bien protégé, mais c'est chiant à enlever. Ah, déjà, on retrouve la même box dorée là, je peux voir. Donc j'espère que c'est pas le même contenu. Franchement, ça me ferait un peu chier que ce soit le même contenu. Après, ça m'étonnerait que ce soit le même contenu parce que c'est voilà, c'est une release complètement indépendante des autres, vu que là, sa numérotation à elle. Donc là, pareil, on retrouve le petit sticker de numérotation, le 4K et rien d'autre. Hop là. On enlève ça. Ouh là là, c'est très très joli. Ouais, donc ça reprend le visuel du, comme je le disais, du Lanty qu'on a eu là. Et donc voilà. L'édition B,
Donc là, c'est l'édition full slip classique. Mais vous allez voir, pas que. Et donc la première chose qui saute aux yeux, c'est le gros travail de spot gloss embossage là sur. Oh là, ah ouais, c'est très très beau. C'est vraiment très très beau. En plus, c'est bien dans l'esprit de Jurassic Park. C'est léger, c'est juste de la verdure. Voilà, le logo là, à même sur le, je sais pas, sur le pied d'un arbre ou quoi. C'est ouais, très très classe. Donc on a voilà tout ce spot gloss embossage sur toute la verdure autour. Pareil, en fait, sur presque tout, en fait, il y a du spot gloss embossage. Sur le titre, sur le logo, partout. En fait, les seuls endroits qui sont pas travaillés, c'est le rouge et les quelques touches de noir qu'on peut voir ici et là. Mais sinon, sur tout le reste, regardez-moi ça, quand je joue avec la lumière. Regardez-moi ça. Superbe. Franchement, très très beau. Et donc, ouais. Et donc, je disais, c'est une édition full slip, mais pas que, parce que le petit cadeau bonus, encore une fois, c'est que c'est un full slip. En fait, c'est même pas full slip, parce que c'est une box entière. Donc, en gros, c'est une box avec finition glow in dark. Comme on peut retrouver sur le verso de l'édition A, on a une finition glow in dark sur, je crois, sur les deux faces, si je me trompe pas. Donc, pareil, je vous montrerai si j'ai réussi à filmer en vidéo le rendu. Mais c'est ouais, les deux côtés, normalement, c'est en glow in dark. Et donc, je suis curieux de voir ça. Là, vous le voyez à l'écran, mais moi, je ne l'ai pas encore vu. J'espère que ça sera un bon rendu. Surtout après Matrix, j'ai montré en vidéo sur l'unboxing du One Click de Matrix, des vidéos de Blu-ray Archive. Et quand j'ai essayé chez moi, mais j'ai pris une claque sur les Glow in Dark. Donc, j'espère que ce sera au niveau du Matrix. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le recto. Voilà, avec ce gros travail de spot gloss embossage. Sur le dessous, pareil, embossage, spot gloss sur le titre. Là, on retrouve. Les mêmes codes classiques sur le haut et le bas, le spot gloss embossage sur le verso, pareil que sur le titre, sur la tranche, pardon. Et sur le verso, on retrouve le T-Rex, et là, pareil, tout de suite, ça saute aux yeux. Cet énorme travail là, par contre, là sur le T-Rex, tout le T-Rex est embossé avec du spot gloss, et sur toutes les en fait, je sais pas si on le voit là. Voilà, chaque écaille est traitée indépendamment. Donc chaque écaille est embossée spot gloss. Et ça rend le tout, ça rend le truc vraiment hyper quali en main. En plus, l'image est vraiment sharp. Là, il n'y a pas de souci de netteté ou quoi. Là, le T-Rex est vraiment hyper net. Donc ça rend encore plus simple. C'est vraiment impressionnant, quoi, avoir de face comme ça, là. Regardez-moi, là, ce travail, là, sur. Oh là là, putain. La dinguerie, quoi. Ce travail de spot gloss embossage est pareil sur cette partie-là, là, du mur qui est brisé, sur tout le tour qui est dans la continuité avec du spot gloss embossage, mais pas sur les infos par contre. Et donc voilà, pareil, même chose, on est sur une finition glow in dark, je crois, sur les contours du mur brisé. Pareil, je vous montrerai ça en vidéo pendant que je présente. Et on a, ouais, donc du coup, très curieux de voir le rendu glow in dark des deux côtés. Je pense que là, sur le côté-là, j'espère qu'il y a beaucoup plus de glow in dark que juste le muret derrière. J'espère que là, il y a beaucoup de parties qui sont en glow in dark ou quoi, histoire que ça soit bien classe sur une étagère avec l'effet. Donc voilà, donc ça, c'est la box. Et on va voir le contenu. Putain, j'aime beaucoup le T-Rex, il est vraiment hyper, hyper net. Et donc, du coup, il est assez impressionnant à voir. Et ce travail de spot gloss embossage là avec la lumière, c'est superbe. Donc on va voir du coup ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que c'est le même contenu ou pas? Ça, c'est la grande question. Donc là, pareil, la box à l'intérieur, même épaisseur. Ça, il n'y a pas de souci sur ça. Alors du coup, alors déjà bon, normalement les digipacks devraient être les mêmes vu que bon, c'est la base de tout ça, c'est quand même les films. Donc on retrouve le même digipack classique. Donc comme on a vu, voilà, ça, je vais pas refaire le tour. Le même digipack que dans la première édition. Je suis curieux de savoir si ça va être complètement différent dans la grosse box Ultimate ou si ça va être les mêmes goodies avec des trucs en plus. On est sur le livret, est-ce que c'est le même? C'est le même. J'ai peur d'avoir le même contenu sur les deux éditions. Ce sera un petit peu dommage. La même box classique. J'ai peur, hein, j'ai bien peur que ce soit la même chose. Tac, on va sortir le folder. Allez, s'il te plaît. Ok, donc c'est bien ça. On retrouve la pièce. Donc là, pareil, hein, c'est vraiment la même pièce. Ok.
Donc en gros, c'est vraiment, ouais, je pense que ça doit être ça. Là, je pense que l'idée, c'était d'avoir deux éditions avec la A et la B, avec un visuel différent, mais le même contenu. Et l'édition C, la box, là, qui est vraiment un truc vraiment à part entière. Et qui, j'espère, différera des deux autres éditions en termes de contenu. Donc là, pareil, on retrouve les trois posters. Je reconnais le visuel de l'affrontement, voilà, avec le T-Rex. Donc c'est vraiment les mêmes posters, encore une fois. Donc ça, c'est un petit peu dommage. On a le même contenu, quoi. Mais après, rien ne m'oblige de l'acheter. Hein. Donc c'est vraiment moi qui ai pris, parce que voilà, je voulais les trois. Mais, et donc, du coup, on passe sur les cartes postales. Et est-ce que c'est les mêmes? Ouais, c'est les mêmes. Hein. Donc c'est le même contenu. Bon, mais du coup, ça va me permettre de passer assez facilement sur cette édition. Vu qu'on a bien fait le tour sur la première, sur le contenu. Puis ça m'évitera d'avoir une vidéo qui dure 2 heures. Donc ça tombe très très bien. Donc on va remettre tout ça à l'intérieur. Allez. Tac. Donc j'ai remis la petite carte de numérotation. J'ai rangé tout ça. Bah écoutez, du coup là, c'est passé beaucoup plus vite que je ne le pensais. Alors, on va remettre ça. Merde, c'était comment dans la box 1? Je crois que c'était comme ça. Si je me trompe pas, je crois que c'était comme ça. Ouais, donc en gros, là, il fallait juste faire le tour de la box. Le contenu est le même. Mais pour le coup, je le trouve très très beau. Le visuel comme ça, pour moi, je vois pas de visuel plus symbolique, plus impactant que voilà, le titre dans la forêt et le titre sur la porte sur l'édition A. Donc c'est vraiment deux éditions qui se complètent parfaitement. Une avec la porte symbolique du film et tout ça, et l'autre avec la verdure, la forêt de l'île. Donc c'est vraiment deux très belles box. Seule, voilà, la petite déception, en tout cas personnellement, parce que j'ai les trois éditions, c'est que le contenu soit identique sur les deux premières box. C'est un petit peu dommage, mais après, rien ne m'oblige d'acheter les deux. Hein. Donc forcément, là, ça c'est moi, hein. Ça c'est mon petit problème à moi. J'aurais aimé avoir, voilà, j'aurais aimé avoir des contenus différents sur les trois, ça m'aurait fait plaisir, mais bon, ça c'est pas très grave. Donc on va ranger la box, tac. Hop là. Et on va pouvoir passer du coup au très très gros morceau. Ce qui va être le plus intéressant, je pense, en termes de contenu et de visuel, parce que là, ça va être beaucoup plus chargé. Il y aura beaucoup plus de choses à voir, je pense. Donc, hop là, on va mettre ça comme ça. Ouais, ça va être comme ça. Et on va passer du coup à la box C, donc la Ultimate Box. C'est un petit peu la box Super Premium de la mort de Ultra HD Club pour la trilogie. Et on va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Tac. Donc on va mettre ça comme ça. Et on va faire comme ça. Donc on va enlever le petit flyer d'info. Alors la carte de numérotation. Donc pareil, encore un visuel différent. Une numérotation différente, encore une fois. Donc j'ai eu du 20 et quelques, du 70 et quelques, je crois. Et là on est sur du 96. Ok. Et donc là voilà, comme on peut le voir. C'est pas 268, mais 228 du coup édition. Et c'est l'édition 17. Donc pareil, même chose. Ce léger embossage sur, on peut le voir là, pareil sur la voiture et tout ça là, sur Alan, le T-Rex. Toujours la même qualité. Enfin, elles sont vraiment. Ce qui me choque à chaque fois, c'est vraiment que elles sont assez fines. Hein. C'est pas non plus du métal en mode comme la pièce ou quoi. C'est très fin, mais alors ça doit être du très très bon métal parce que c'est. C'est hyper dur, c'est à tordre, c'est presque impossible en fait. Il enfin, faudrait vraiment voilà, forcer à mort, mort, mort. Donc c'est vraiment, on a vraiment, putain, on a du métal vraiment hyper quali. Donc ça, c'est la carte de numérotation. Et donc la box, si j'arrive à l'enlever sans prendre 3 heures, parce que là, la mousse comme ça va être un peu chiant. Allez, allez. Doucement, mais sûrement. Ça nous laisse deviner un petit visuel en plus. Tac. Alors, on la remet droite. Allez, on l'ouvre. Je regarde pas trop pour l'instant. Je vais essayer d'ouvrir ça proprement. Bam. Alors, est-ce qu'il y a l'étiquette? Voilà. Là, toujours la même chose. La numérotation, le petit logo 4K. Et on ouvre tout ça. Donc, c'est là. Ça reprend le concept de box qu'on avait sur The Dark Knight avec des full slip, je sais pas si on va appeler ça des full slip à l'intérieur, mais des éditions à l'intérieur qui font une continuité quand on met la box de face. On va voir ça. Alors j'enlève ça.
On enlève ça proprement. Je fais ça. Hop là. Voilà. Tac. Et du coup, voilà la box. Et moi, première chose qui me choque et qui me fait halluciner pour une release de ce niveau chez Ultra HD Club. Alors, on va peut-être me prendre pour un malade, un psychotique ou quoi. Sur le Discord de Caz, j'ai un petit peu cette étiquette maintenant, mais est-ce qu'il y a un truc qui vous choque là? Moi, il y a un truc qui me choque, mais énormément. Ce qui me pose énormément de problèmes, c'est ça. Ça là. Cette continuité qui n'est pas complètement droite. Et du coup, c'est pas aligné. Et ça, ça m'énerve. Ça me rend ouf. Je vois que ça. Et en plus, je vois un autre truc. Je sais pas si ça se voit à la vidéo. J'ai l'impression que la couleur, la teinte de couleur là, ici, là, n'est pas la même. Là, on le voit, là, c'est un petit peu plus gris. C'est un petit peu plus grisâtre que le bleu sur les deux côtés, là. Ah, ça, franchement, là, ça me fait vraiment chier. Je comprends pas comment ils ont pu laisser passer ça. Franchement, là, je comprends pas du tout. Alors, je vais relever un petit peu le cadre parce que la box est un petit peu plus grande, voilà. Je comprends pas du tout comment ils ont pu laisser passer ça. Enfin, je sais pas, les gars, moi, je comprends pas. Comment tu peux laisser passer une continuité foirée sur une box où la première chose qu'on va voir, c'est ce visuel-là. Sur la box du Dark Knight, de mémoire, c'est le logo Batman. Du coup, il y a les trois films, donc il y a trois éditions comme ça dans la box. Et sur chaque box, il y a un bout du logo de Batman. Et quand les trois sont réunis comme ça, ça fait le logo en continuité. Et de mémoire, le logo est très bien aligné. J'ai pas souvenir d'une continuité foirée. Et là, je sais pas pourquoi, on a cette continuité qui est vraiment... Alors, c'est léger, hein. Peut-être que certains diront c'est léger. Mais pour moi, ça ne passe pas du tout. Je suis désolé. Ça passe pas. Là, ça peut... Honnêtement, ça peut passer, là, sur la porte. Ça... Voilà, de loin, on dirait pas, ça se voit pas. Mais pardon, mais moi, ça, là, je vois que ça. Franchement, ça me met en colère, parce que je comprends pas comment ils peuvent laisser passer ça, quoi. En plus, c'est vraiment le truc que tu vois en premier, quoi. Je veux dire, tu vois que ça, si la box est posée. Mais bon, voilà, ça, c'est vraiment le gros point qui me pose problème, qui sera peut-être anodin pour certains. Mais pour moi, je suis désolé, moi, quand on fait une continuité sur un visuel, soit tu l'as fait parfaitement, et tout est nickel, tout est aligné, il n'y a pas de souci. Soit tu ne la fais pas, mais tu ne sors pas des visuels de continuité où les trucs sont en décalé, ils ne sont pas alignés ou quoi. Je suis désolé, ça passe pas. Pour un truc qui coûte 3-5 quelques euros, ça passe pas. Et puis là, ce changement de teinte de couleur, c'est pareil. Moi, je vois que ça. Ça me saute aux yeux, c'est vraiment dommage. Parce que c'est dommage, parce qu'en plus, le visuel, il est incroyable, en fait. Avec la Jeep, la porte, le puits de lumière là derrière la porte et tout, le visuel est incroyable. C'est superbe pour une box d'avoir ce visuel en premier plan comme ça. Donc c'est vraiment... franchement, je comprends pas. Ça m'a un petit peu en colère d'avoir un visuel raté comme ça. Après, sachant qu'elle sera un petit peu en hauteur, ma box, est-ce que, voilà, si sous cet angle, est-ce que ça passerait un petit peu mieux la continuité? Je sais pas, je verrai. Mais en tout cas, voilà, pour moi, gros point noir sur cette continuité qui est foirée. Et c'est cette teinte de bleu qui est pas la même, hein. Là je pense que ça se voit, là à l'image, moi je vois le retour, ça se voit clairement, là c'est beaucoup plus gris que là les deux parties qui sont bleues, vraiment bleu du ciel, quoi. Mais bon, voilà, on va faire abstraction, on va continuer, on va faire le tour de la box. Donc c'est une box pareil, même qualité d'épaisseur du bois, du carton. On est vraiment sur un truc très solide. Sur le côté, on a un visuel du premier film qu'on a déjà vu. Alors est-ce qu'il y a du travail? Ok, il y a du travail d'embossage spot gloss, mais que sur le titre, pas sur le reste. Là, on est sur une finition classique. L'image est un petit peu... J'ai l'impression que c'est un petit peu en mode dessin, quoi. Là, ça se voit que c'est pas des images tirées du film. Il y a comme s'il y avait un filtre dessin par-dessus. Bon, c'est pas dérangeant, ça se tient. Ça fait pas tâche. Sur le verso de la box, on a un visuel du 2. Donc pareil, même chose. Travail de... Voilà, d'embossage spot gloss que sur le logo du Jurassic Park. Sur les infos, tout le reste, il n'y a rien du tout. Donc on a vraiment là un plan, enfin une face, un film, je pense. Et donc là, ouais, c'est ça. Donc là, on a une image du troisième film. Donc même chose, travail de spot gloss d'embossage sur le logo. Et rien de plus. Donc on a vraiment ce filtre-là, cet effet un petit peu dessin... un petit peu film dessin sur les trois visuels. Sur le dessus, on retrouve, hop là, sans faire tomber ce qu'il y a à l'intérieur, une des scènes iconiques du premier film. Donc là, pareil,
On a ce travail de spot gloss embossage sur le logo. Et pas sur tout le reste, c'est basique, classique. Même délire de un petit peu dessiné, crayonné sur un visuel qui tirait du film. Visuel incroyable d'ailleurs. C'est vraiment une scène incroyable. Ce plan incroyable aussi là. Quelle classe le T-Rex dans le premier film. Et sur le dessous, qu'est-ce qu'on a? On a la même chose. Voilà, on a exactement la même chose. Avec ce spot gloss embossage sur le titre, pareil. Donc déjà, c'est bien qu'on ait un visuel en dessous, même si c'est le même que celui du dessus. Mais au moins, on n'a pas un bloc noir qui ferait un petit peu tache par rapport aux autres côtés, quoi. Et donc, alors, voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur maintenant. Parce que là, du coup, c'est là où je pense que ça va changer. Alors, on va essayer d'attraper le premier bloc. Et donc là, du coup, chaque bloc fait la taille d'une édition A ou B, quoi. C'est vraiment la même taille. Hein. Pour le coup, là, il n'y a pas... C'est vraiment là, on est vraiment sur la box un petit peu plus de la trilogie. Et donc, alors il y a un cellophane. Ah, donc à mon avis, est-ce qu'on aura le lentille de l'édition A et B sur les box? Donc là, on se retrouve avec une box du coup en lentille. Donc on retrouve, là c'est le même lentille que celui qu'il y a dans l'édition A en goodies. Mais là, c'est sur la box directement. Sur le dessus, toujours. Le classique embossage spot gloss. Dessous, pareil, embossage spot gloss. Sur la tranche, du coup, comme on a vu la continuité sur la face de la box, on a pareil, embossage spot gloss. Donc là, pour l'instant, on est vraiment sur la même ligne de conduite pour Ultra HD Club. Et sur le verso, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a un... Ah, du coup, c'est un double lentille, quoi. Bon, c'est un double lentille. C'est une box entière qui est en double lentille, quoi. Est-ce qu'on peut encore dire que c'est un double lentille? Ah oui, là je dis oui là. Et donc là on retrouve une scène du 1. Donc là on a un gros changement de plan. Regardez-moi ça là. On a pareil, on a cet effet de... Ah là 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 là, aïe aïe aïe. Ouh, je vois des choses là intéressantes, mais dans le mauvais sens du terme. Donc on a vraiment un changement de scène, mais tiré de la même scène en gros, vraiment avec un zoom sur... On part de là pour finir en zoom sur la scène suivante où il va leur souffler sur la gueule. Et donc on a un très beau changement de plan pour le coup. L'image est assez nette. Elle est moins nette que les autres. Là je pense qu'on... Je sais pas si on va le voir ici. Là voilà, on voit déjà que c'est un petit peu plus... Alors est-ce que c'est la pluie tirée du film qui fait qu'il y a cette sensation de un petit peu plus flou? Je sais pas. C'est pas choquant. Hein. Quand on le regarde comme ça, pour le coup, c'est pas choquant. On a quand même un joli travail de 3D quand même avec... alors c'est très bizarre, j'ai la sensation du... Merde, faut que je regarde sur le retour parce que moi je vois pas la même chose que vous. Le chapeau d'Alan est vraiment on a vraiment la sensation qu'on peut l'attraper, quoi. Donc il y a quand même un travail de profondeur. On a Alan et... j'ai mangé le nom de la meuf. Le nom des gosses, je m'en souviens pas. Donc on a Alan, la fille, donc en premier plan... Après, on part sur la tête du T-Rex, là, hyper massive, avec son œil, là. Et après, tout le reste, là, en fond de visuel, en dernier plan. Et ici, alors, parce que c'est compliqué de me caler par rapport au retour. Donc là, on passe sur la scène un petit peu plus en dézoomé. Donc là, pareil, là, on a un énorme travail de profondeur sur la tête du T-Rex. On a vraiment la sensation que je peux passer la main derrière lui, quoi. C'est assez bluffant, là, cet effet de 3D. Pareil, on a la même chose sur Alan et tout. Là, j'ai l'impression que je peux les attraper, en fait, comme des bonhommes. Comme des petits bonhommes, j'ai la sensation de pouvoir attraper les deux personnages et la voiture. La même chose sur la voiture. Ici, là, on voit la carcasse de la voiture retournée. Pareil, on a vraiment une sensation de 3D avec l'arrière-plan qui est vraiment en profondeur. Mais il y a un petit truc. Alors, je sais pas si ça va se voir en vidéo. Il faudrait que j'arrive à le caler. En fait, on voit, il y a comme une rémanence, entre guillemets, du lentille, là, sur cette scène, en fait. Là, sur la scène un petit peu dézoomée, où on voit le T-Rex un petit peu plus de face. Je ne sais pas si on le voit, là. Là, toutes les marques ici, là. Là les petites marques, là, les petits trucs, les petites pointes noires, un petit peu. En fait, c'est les dents, voilà, du T-Rex sur le changement de scène. Là, je pense qu'on le voit, là. On le voit surtout sur celle-là. Là, on le voit très bien, là. Là, pour le coup, là, c'est la première fois que je vois ça. Je suis ralenti, en général, il n'y a pas trop de... Ce délire un petit peu de rémanence, où il y a une image fantôme, c'est bizarre. Mais vraiment, ça le fait sur les dents, et est-ce que ça le fait ailleurs?
Ouais, ça le fait. En fait, moi, je le vois. Alors, je pense pas que ça se verra en vidéo. Ah, si, on le voit même là. Hein. En fait, là, on le voit. Regardez, regardez le. Là, ici, toute la. Tout le contour du T-Rex, on le voit en blanc un petit peu, en fait. Alors, quand je le regarde de face, le visuel, je le vois pas, en fait. C'est que si je le sais, en fait. À partir du moment où je bouge, je me rends compte qu'il y a une petite marque, je le vois. Mais après, sinon, quand je regarde une scène ou l'autre, il y a pas de. On n'a pas la. On voit pas cette rémanence, entre guillemets. Mais quand je le sais là sur cette scène, on voit que ça. Hein. Vous voyez, je vous l'ai dit. Je pense que là, on voit très, là, on voit hyper bien les dents. Et on voit ce contour là, du T-Rex ici là. Et c'est la première fois que je vois ça et c'est clairement dommage parce que ça vient un petit peu entacher ce lentille qui est vraiment très très classe pour le coup. Avec vraiment ce plan là, là où il est un petit peu plus loin, il y a un énorme travail de 3D sur le T-Rex. Donc c'est un petit peu dommage ce délire de rémanence. Alors voyons voir du coup après le contenu. Alors ça ressemble. J'espère que la box, j'espère que le livret et le truc en or c'est pas encore la même chose. Ce serait un petit peu dommage. Hop là, on met ça là. Donc ça c'est à mon avis toujours le Digipack avec les trois films. Là voilà, la même chose toujours. Hop là, je mets ça là. On a le livret, le retour du livret. Toujours le même livret. Ça commence à me faire peur là tout ça. Et la box. Doré, toujours la même chose. Hein. Du coup, pas, il n'y a rien qui change par rapport à la première où il n'y a pas de finition ou quoi que ce soit. On retrouve le folder. Allez, putain, c'est vraiment là. C'est encore le même contenu, putain. Donc, on a toujours ce folder avec les trois posters. Et ouais, c'est tout le temps. Ouais, c'est les mêmes cartes postales. Hein. Je les reconnais. Ah, putain, je suis un petit peu déçu là. Je pensais que j'aurais un petit peu plus de contenu exclusif. Enfin, je pensais qu'au moins la box Ultimate, c'est vraiment le nom de la box, en plus c'est vraiment Ultimate Box C. Je pensais vraiment que l'Ultimate Box aurait vraiment du contenu exclusif et tout ça, donc c'est un petit peu dommage. Mais en même temps, je me dis que pour ceux qui prennent que la box, bah, il faut bien qu'ils aient le contenu qu'il y a dans les autres éditions. Donc c'est logique en soi, mais c'est un petit peu chier moi qui ai payé pour les trois éditions. Donc je paye un petit peu pour le même contenu, c'est un peu dur à avaler, même si voilà. C'est Jurassic Park, donc je regrette pas du tout les 900 euros. Bon, peut-être pour certains ce sera choquant de dire ça, mais. Moi, en tout cas, je regrette pas parce que ça touche Jurassic Park et c'est le seul film avec la trilogie Seigneur des Anneaux qui fait que ça me dérange. Enfin, c'est pas que ça me dérange pas, mais je les mets avec plaisir si ça me permet d'avoir les éditions, d'avoir toutes les éditions chez moi. Donc voilà. Donc ça, c'est la première box. On a un truc au milieu. Alors, c'est un folder. Ok, donc c'est un folder classique. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a dans ce folder? Donc, on a un visuel nouveau là pour le coup. Mais un petit peu dans la même veine, un petit peu assez basique, juste un fond de roche. Là, on devine des traces de squelettes de dinosaures. Pas de travail particulier sur le logo. Bon, la continuité toujours qu'on retrouve sur la tranche. Le verso, pareil, on continue sur le côté un petit peu fossile dans la terre. Et on a un folder. Alors, c'est bizarre parce que il y a un trou au milieu, c'est bizarre. Alors, c'est un folder. Alors là, pour le coup, je pense que ça devrait être du contenu exclusif quand même. Donc, voyons voir ça. On va faire comme ça. Je vais prendre comme ça arrive. Donc on a une carte postale. Donc, le verso change, mais c'est toujours le format carte postale, pardon. Donc on retrouve le visuel qu'on a sur le poster derrière. Et là par contre on a toujours cette qualité d'impression qui est vraiment excellente. C'est vraiment hyper net. Il n'y a pas un pet de pixelisation, rien du tout. C'est pas flou, c'est vraiment hyper net. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, on a. Ah, ça change un petit peu, tiens. On retrouve un petit peu des artworks ou des dessins sur les dinosaures. Là, on est sur le Pteranodon. Donc, cela, c'est tiré du troisième film. Des petits plans, entre guillemets, sur le T-Rex. Là, on voit les pattes de Raptor, les légendaires pattes de Raptor terrifiantes. Ah, donc là, on a quand même des trucs un petit peu plus conceptuels, en fait. Vraiment des concepts, des dessins, tout ça sur les dinosaures. Le Vélociraptor. Le T-Rex. Un petit dessin du T-Rex, donc c'est vraiment très très net. Hein. On le voit, on arrive à deviner chaque coup de crayon et tout ça. Encore des petits croquis, des trucs comme ça sur les dinosaures. Ah, donc là on a un poster. Lui déjà il diffère parce que ça je reconnais pas. Ah, je pense qu'on a. Alors est-ce que c'est le même poster? Attendez, je vais mettre les posters de côté. On va continuer sur les cartes qui sont derrière. On retrouve là du coup le dinosaure du troisième film, toujours le même verso. Encore le Vélociraptor, mais là ça c'est les Vélociraptors du 3, avec le début de l'arrivée des crêtes et tout ça.
sont un petit peu plus accurate de mémoire de ce qu'ont vraiment été les Raptors avec ce côté un petit peu plume oiseau. On retrouve le même dessin, mais vraiment plus près là sur la tête. Alors, là, on le voit clairement. Hein, c'est hyper net, il n'y a pas de souci sur ça. Le tyrannosaure. Et on finit sur un squelette, si j'arrive à l'attraper. Voilà, un squelette de dinosaure. Je pense que c'est toujours le T-Rex vu l'énorme taille de ses pattes. Voilà, donc ça, c'est les cartes postales exclusives à l'édition C. Alors, on va voir combien il y en a. Donc, est-ce qu'il y en a plus de 14? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est bizarre, 11, un chiffre impair comme ça. Du coup, on en a 11, on en a un petit peu moins que dans les autres éditions, mais bon, elles sont en complément de celles qui sont déjà dans la première édition qui reprend le contenu des éditions A et B. Et donc, on a deux posters là qui, pour le coup, sont exclusifs parce que je reconnais pas les dessins. Alors, déjà, alors je pense pas à ceux-là. Ceux-là sont plus grands. Ah oui, d'accord, ils sont plus grands. Donc, je vais pas du tout pouvoir vous présenter le visuel, mais je pense que voilà, vous devinez ce que c'est. C'est l'énorme tête du T-Rex. Sous la pluie de la fameuse scène avec les voitures. Donc là, elle est vraiment. Là, pour le coup, c'est vraiment très très grand. C'est du. Je pense que c'est un format carré. Et ça doit être du 50 cm, un truc comme ça, 50 sur 50. Ouais, non, je pense que c'est du 50. Donc c'est vraiment très très grand. Je pourrais vraiment pas vous le montrer. Il est vraiment immense, quoi. Regardez, même là d'ici. Il fait 2,5 boxes en termes de largeur. Et de hauteur, du coup, en même temps. Mais on a toujours ce problème des plis, donc on retrouve ce gros point noir des plis sur le poster. Et du coup le deuxième, donc à mon avis ça va reprendre le visuel qu'on a sur le dessus de la box par exemple, avec la banderole à la fin du premier, le T-Rex. Hop là. En tout cas, ils sont grands, hein, ils sont vraiment grands. Hein. Vous pouvez pas vous en rendre compte en vidéo, mais on a vraiment un très très grand poster. Et ouais, la qualité est bonne. Bon, elle n'est pas exceptionnelle non plus. Voilà, comme on peut le voir. Enfin, sur le peu que je peux mettre dans le plan. Donc on a voilà deux posters exclusifs, des cartes postales pardon exclusives. Et attends, du coup est-ce que ça rentre si je mets pas de la même manière qu'ils ont mis eux? Voilà, donc à mon avis, il va falloir faire comme ça. Il va falloir mettre entre les deux comme c'était. Donc pour l'instant. On a juste des cartes postales et des posters en exclusif dans l'Ultimate Box. Alors j'espère que le deuxième. Bon, logiquement, le deuxième full slip, ce ne serait pas le même contenu parce que ben, on l'a déjà dans le premier. Donc là, à mon avis, là, ce qu'elle a dans celui-là, ça va être plus intéressant. Oula, oula, c'est tout léger. C'est tout léger, ça m'a fait bizarre, quoi. Ça m'a surpris quand je l'ai attrapé. Donc on retrouve une boîte, pareil, même chose. La même taille que les éditions A et B et que la première partie. Donc là, on a un visuel. Ah, mais c'est bon, je me souviens. Je me souviens de ce que c'est. C'est bon. C'est le goodies exclusif à l'édition, à la box. Donc on en retrouve un visuel classique. Voilà. Le fossile, le logo. Pas de travail particulier, toujours. La tranche, la continuité comme on connaît. Sur le dessus, même pas d'embossage spot gloss, rien du tout. C'est un petit peu dommage. Et le verso, on trouve encore un squelette. Et le titre des trois films. C'est bizarre, je ne sais pas pourquoi ils ont mis le titre, je vois pas trop l'intérêt. Et donc on a une box magnétique. Alors qu'est-ce que c'est? La petite mousse. Et du coup, alors je vais vous montrer quand même l'intérieur, il n'y a rien de spécial. Voilà, à part le retour du titre ici à l'intérieur. Et on a du coup le goodies exclusif à la box C. Ouh, ah oui. Ça m'a l'air quali quand même. Je sors tout ça. Hop là, donc on va checker vite fait derrière la mousse, mais à mon avis, il n'y a rien du tout. Voilà. Ah ouais, là, c'est vraiment. Ouais, franchement, là, les gars, c'est un petit peu abusé, quoi. Regardez-moi ça. C'est vraiment le carton brut de chez Brut. On voit même les deux petits points aimantés pour le magnète, pour la fermeture magnétique. Là, c'est vraiment le carton brut. Hein. Là, c'est un petit peu dommage. Bon, après, forcément, c'est pas fait pour qu'on enlève la mousse. Mais bon, c'est dommage. Ils auraient pu au moins garder un fond de cette finition-là. Et donc, on a un mini squelette de tête de T-Rex. Donc on a le présentoir, donc on retrouve Media Psycho, le forum d'un côté et Ultrash des clubs de l'autre.
Rien de zou. Alors par contre, ça a l'air cheap, je pense, sur la vidéo. Mais c'est lourd. Hein. C'est du métal. Là, pour le coup, c'est vraiment. C'est du solide, c'est vraiment du lourd. Hein. Donc c'est quali. On dirait pas comme ça, je pense. Je pense que sur la vidéo, ça fait un petit peu plastique. Mais ça c'est pas du plastique, c'est sûr et certain. C'est vraiment très très épais. C'est peut-être de la résine ou quelque chose comme ça. On a le petit pied pour mettre la tête. Alors, je ne sais pas trop comment il faut faire. Et on retrouve du coup, voilà, la tête de T-Rex. Voilà, ça fait un petit peu plus genre impression 3D, vous savez, comme avec les imprimantes 3D qu'on peut avoir chez nous. On n'est pas sur la même lourdeur que le socle. On est sur un truc un petit peu plus léger, genre en mode je pourrais presque le casser, quoi. Mais en tout cas, bref, ouais, honnêtement, c'est pas hyper bien fini. Hein. Enfin, si c'est bien fini, mais j'ai quand même l'impression d'avoir des micros défauts. Voilà, on voit là les petits traits, là, les petites rainures, je pense, les petites. Là, même ici, là, je sais pas si on va le voir. Voilà, ici, là, regardez. Là, je pense que ça se voit ici, là, sur le bout, là. C'est pas. Honnêtement, c'est pas. Le rendu est pas exceptionnel. Alors, est-ce que. Bon, la mâchoire bouge, mais à mon avis, c'est juste parce que c'est assez fin. Je vais pas m'amuser à essayer de l'ouvrir. À mon avis, c'est un seul bloc. Donc, ouais, donc c'est un truc sur lequel on doit présenter. Alors, je sais pas comment on fait. Alors, on va checker ça. Ah oui, d'accord, ok, j'ai compris. En gros, hop là, j'enlève la vis. Je mets le pied ici. Tac. La vis de l'autre côté. Mais du coup, alors je le fais vraiment vite fait là. Attendez, je vais rebaisser vite fait le téléphone. Histoire de voir le rendu vraiment dans l'angle. Donc là, il y a le petit trou. Tac, juste ici. On met. Attends, il faudrait que j'arrive à visser le pied comme il faut. Je vais le faire ça en off. Bon, j'ai enfin réussi à mettre le pied comme il faut. Mais honnêtement, c'est un petit peu bancal. Regardez, je vais vous montrer. J'ai galéré parce qu'en plus, c'est une petite vis. Donc, ça a vissé dessous. Là, c'est vraiment une vis à visser qui se visse dans le pied en fait. Ici, dans le socle. Alors, le problème, c'est que déception, c'est un petit peu bancal quand même. Voilà, le pied bouge même si c'est vissé en fait. Donc, là, c'est vraiment pas terrible. C'est quand même une petite déception. Donc, là, il y a le petit trou juste là. On y met. Le truc, voilà, on le met comme ça. Et du coup, on se retrouve avec le présentoir et la tête de T-Rex. Et après, bon, ça va. Après, quand on le pose comme ça, à plat, le pied est droit. Mais regardez, c'est vraiment hyper bancal. Alors, faudrait que j'essaie, je pense que j'essaierai plus tard de vraiment essayer de bien le visser, etc. Mais je pense que c'est plus une erreur en fait de fabrication où c'est un petit peu bancal, j'ai l'impression. Alors j'espère que c'est peut-être que mon édition, mais ça c'est quand même assez bancal. Hein. C'est pas du tout genre un truc hyper solide et qui bouge plus du tout quoi. Là c'est vraiment, on sent qu'il y a du jeu en fait dans le pied et donc en fait la tige se déplace même si elle est vissée en fait. Le trou de la tige est pas du tout, est pas exactement genre au micron près de la même taille que la tige, ce qui fait que même vissé en fait le pied bouge. Et du coup, ça a fait un petit peu bancal. C'est clairement dommage pour le prix. Mais honnêtement, j'aime bien. Alors, le goodies est cool. Alors, je pense que certains ont trouvé ça un petit peu OZEF et tout. Moi, j'aime bien. Je pense qu'à côté des éditions, ça peut être sympathique. Je ne sais pas si je vais le laisser comme ça ou si je vais le remettre dans sa boîte et le laisser ranger. Ça, je verrai plus tard sur les étagères comment ça rendra avec la box, avec la grosse box au milieu et une édition de chaque côté. Mais voilà, ça, c'est le goodies exclusif. Donc je vais le mettre de côté, ça je le dévisserai tout à l'heure, histoire de le remettre comme il faut. Et du coup, ouais, donc ça c'est. Oui, ça c'est voilà. Je vais remettre comme ça. Hop là, on va remettre comme il faut tout. On va enfin pouvoir conclure cette longue vidéo. Je ne sais pas combien ça va durer. Mais tac, on remet tout ça. Bam, bam, voilà. On remonte l'angle vite fait. Tac, on va mettre comme ça. Je vais mettre les trois éditions côte à côte. Pour que vous ayez un ordre d'idée de comment ce sera sur les étagères. Mais en gros, là, pendant que j'installe tout ça, on va conclure sur les éditions. Alors en soi, je suis, je vais pas dire mitigé, mais en fait, je pense pas que c'était nécessaire de prendre les trois éditions en fait. Je me rends compte qu'en fait, le contenu est le même. Donc du coup, on tourne vite en rond en fait. On n'y gagne pas grand-chose à part gagner, à part avoir une box avec un visuel différent à chaque fois. Mais ouais, le même contenu dans les deux éditions. Voilà, ça c'est classique forcément. Parce
faut laisser le choix aux acheteurs d'avoir une box différente avec le même contenu. Mais en gros, ma plus grosse déception quand même est sur la box C, la Ultimate Box, comme il appelle la fameuse box avec ce visuel-là, en continuité. Où je m'attendais quand même à avoir un petit peu plus de contenu exclusif. Et là, clairement, honnêtement, je reste un petit peu sur ma faim. Franchement, je me retrouve pas avec autant de contenu que j'aurais espéré, au moins en plus sur une box comme ça, appelée Ultimate. On se retrouve avec un goodies un petit peu imprimant 3D. On a 11 cartes postales, si je me souviens bien. On a deux posters, mais les posters sont pliés, donc ça n'a pas grand intérêt. Et puis, c'est tout, parce que dans le premier bloc, on retrouve en fait ce qu'il y avait en contenu dans les deux autres éditions. Donc, ce qui fait que je me retrouve avec trois fois la même chose. Donc vraiment, ça, c'est pareil que ça et pareil que ça, quoi. Donc, le seul truc qui change, c'est le contenant qui change de visuel. Mais ouais, c'est... Après ça, voilà, ça touche Jurassic Park. Donc voilà, comme je l'ai déjà dit, moi, ça me dérange pas d'avoir en triple le contenu. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment avoir les trois éditions comme ça sur mon étagère. Ça sera vraiment la petite partie Jurassic Park. Mais honnêtement, si on les juge indépendamment, c'est très bon, le contenu est excellent, il n'y a pas de souci sur ça. Les qualités de photos sont excellentes, les lentilles excellentes, on a l'effet glow in dark en bonus sur les deux éditions. On a vraiment, voilà, on a pas mal de contenu, il y a beaucoup de cartes postales, on a le livret, voilà, on a la petite pièce Ultra HD Club classique, avec toujours ce rendu toujours aussi exceptionnel sur cette pièce. Mais ma grosse déception, mais voilà, mon petit mouais, c'est vraiment sur cette box Ultimate, parce qu'elle n'a pas grand-chose d'Ultimate au final. Elle a le visuel forcément d'une box, donc c'est beaucoup plus massif. Mais en termes de contenu, on se retrouve avec une édition ici. Ici, on a quelques cartes postales en plus et deux posters. Et là, on a juste un truc imprimant 3D. Donc du coup, je ne trouve pas ça exceptionnel, quoi. J'aurais espéré, voilà, avoir une grosse pièce comme on a sur le E.T., avoir des trucs un petit peu, voilà, un petit peu plus intéressants. Peut-être des lentilles en plus comme on a là sur... Sur les deux éditions toutes seules, avoir des lentilles comme ça en plus en cadeau avec des visuels différents, etc. Donc c'est, voilà, c'est un petit peu dommage, mais je regrette pas du tout l'achat des trois éditions, même à ce prix-là. Quand ça touche vos films de cœur, voilà, il n'y a plus de raison qui tient, c'est vraiment le cœur qui parle. Donc je suis très content d'avoir les trois éditions, mais honnêtement, à choisir, je pense ça va être bizarre de dire ça, parce que j'ai toujours l'habitude de prendre moi la grosse édition, les one-click ou les trucs, les grosses box, etc. Mais je pense qu'en fait, le plus intéressant dans ces trois releases, en fait, c'est vraiment les deux éditions seules, qui sont moins chères, qui ont le même contenu que ce qu'il y a là, sans le petit goodies en plus qui justifie pas le prix, en tout cas à mes yeux, de ce goodies un petit peu imprimé en 3D. On a vraiment, voilà, on a une belle édition bien complète qui se suffit elle-même, avec des finitions intéressantes, avec le lentille d'un côté et le glowing dark de l'autre sur les deux côtés. Enfin, on a vraiment là, on a quand même deux très belles pièces ici. Et la box, je la trouve moins intéressante sur les trois. C'est la première fois que j'en arrive à cette conclusion où en fait la box ou le one click est moins intéressant que l'édition simple. Parce que le visuel est là, mais la continuité est foirée. Le contenu est pour moi pas à la hauteur d'une Ultimate Box avec un surplus sur l'argent, sur le coût. Donc honnêtement, voilà, c'est un petit peu ma petite déception, c'est cette box-là. Mais je suis quand même satisfait. Hein. Voilà, je ne suis pas déçu du rendu. Mais je suis pas du tout aussi enthousiaste que sur les deux éditions qu'on a là, qui sont pour le coup vraiment presque parfaites. En fait, j'ai rien à reprocher aux deux autres. Vraiment, les cartes postales, t'en as 14, t'as un lentille en cadeau, t'as des finitions sur les box de chaque côté, une en lentille et glowing dark d'un côté, l'autre avec les deux glowing dark. On a vraiment deux très belles pièces, une qui est pour moi pas à la hauteur en termes de Ultimate Box comme ils appellent. En tout cas, on n'est pas à la hauteur d'une box The Dark Knight par exemple qu'ils avaient sorti de chez Ultra HD Club. Que vous pouvez aller voir sur la chaîne de Cazazel, il a présenté, où là vraiment on a une énorme box vraiment qui fait vraiment la pièce maîtresse d'une collection pour les fans de Batman. Là pour moi, si vous êtes pour les fans de Jurassic Park, pour moi cette pièce n'est pas forcément elle est obligatoire, elle n'est pas forcément allez là, je vais pas manger des mots sur la fin quand même, elle n'est pas indispensable, voilà. Là où ces pièces sont vraiment magnifiques et indispensables pour tout fan de Jurassic Park en premium, celle-là pour moi elle a un petit peu moins d'intérêt, vraiment à part pour les gros fans comme moi, qui sont prêts à mettre le prix pour un contenu qui n'est pas forcément à la hauteur. Mais voilà, on paye la rareté, on paye le tirage très très limité, donc voilà, il y a aussi ça qui rentre en compte, quoi. Mais le pire c'est qu'en plus la box a un plus gros tirage que les éditions simples, donc c'est un petit peu contradictoire en fait.
on aurait eu un tirage plus bas sur la box, aurait rendu la box quand même un petit peu plus voilà collector, un petit peu plus rare, un petit peu genre un petit peu Graal ultime, etc. Là non, en plus la box est un plus gros tirage que les éditions simples. Donc c'est bizarre, mais voilà, cette box est un petit peu le placement de cette box dans les trois éditions est un petit peu bizarre, je trouve, avec ces petits soucis en plus. Donc c'est voilà, c'est ma petite déception, mon petit pincement au cœur de voir que la box n'est pas à la hauteur des deux autres éditions, mais quand même très content de les avoir. Et voilà, on a quand même trois très belles pièces avec beaucoup de contenu, du contenu de qualité. Donc c'est vraiment voilà, le point final, c'est quand même ça, c'est d'avoir du contenu de qualité avec ses cartes postales, etc. Donc sur ce point-là, je suis très satisfait. Dites-moi en commentaire, vous, quelle est votre édition préférée des trois. Mais honnêtement, si je devais en choisir une, je pense, enfin en tout cas en termes de visuel, celle qui me plaît le plus, je pense que ça irait sur. Putain, je sais pas. Hein. Franchement, les deux là, ces deux là, elles sont vraiment. C'est con, mais je trouve qu'elles sont complémentaires. Vraiment, ce cool, ces tons chauds, le feu, le bois, etc. Et là, plus le côté verdure et tout ça, je les trouve vraiment complémentaires entre elles. Honnêtement, je pense que les deux dans une collection, ça. Ben ça peut rendre bien, alors que la box, elle n'arrive pas forcément à s'intégrer parfaitement avec les deux autres éditions. Donc si je devais en choisir qu'une, honnêtement, je pense que sur le visuel, franchement, je ne saurais pas laquelle choisir. Je pense que je choisirais quand même celle-là en lentille, parce que ça reprend voilà, voilà, la fameuse porte de Jurassic Park. Et ouais, en fait, non, vu le vert, putain, franchement, je ne sais pas. Non, je pense quand même que je partirais sur celle-là, parce que en termes de dans la globalité de l'édition avec le recto et le verso, c'est quand même la plus intéressante avec cet effet glowing dark sur les deux côtés, le logo là vraiment hyper impactant là sur ce recto avec ce travail de spot gloss, d'embossage et tout ça. Donc, je pense que voilà, mon cœur se porterait sur l'édition B, je pense en priorité si je devais vous en conseiller une. Mais pour moi, les A et B sont équivalentes. Il y a pas, franchement, les deux sont magnifiques. Et la box, c'est par contre, c'est vraiment, je pense, réservé aux ultra fans de la trilogie et comme moi, du premier surtout. Donc vraiment, là, si vous aimez Jurassic Park ou l'Imprimium, les deux sont à conseiller. Si vous êtes vraiment un hardcore fan comme moi, prenez la box aussi, la fameuse box Ultimate. Mais voilà, en tout cas, on a quand même du beau travail chez Ultra HD Club, comme d'habitude. Et ça fait plaisir à voir, je suis très content de les avoir dans ma collection. Donc voilà, donc c'était la présentation. Putain, je sais pas combien de temps va durer la vidéo. Mais bon, je pense qu'on va être sur un sacré morceau. Donc je vais pas vous prendre votre temps plus longtemps. On va s'arrêter là. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, quel est votre ressenti sur chaque édition, etc. Les points forts que vous voyez, les points faibles, etc. Mais ouais, très beau set d'Ultra HD Club pour la trilogie. Première fois que je vois trois éditions en plus d'une même marque pour une seule saga, film. Donc content de les avoir et on va continuer l'année avec de très belles pièces parce que là, ce qui arrive bientôt là, je pense que là, à mon avis, il y a potentiellement la prochaine vidéo qui sera sûrement la vidéo la plus importante de ma chaîne avec la présentation du premium que j'attends depuis le plus longtemps et que j'attends surtout le plus depuis toutes ces années. Donc je vous dis à la prochaine les gars et restez à l'affût parce qu'il y a du très très gros qui arrive. Allez, ciao.